بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين toujours avec l'arithmétique, la deuxième partie. Donc nous étions arrivés à la question, bien sûr, la question petit p. Donc on va démontrer que si n il est congru à n0 modulo 19, n congru à n0 modulo 12, donc ceci est équivalent que n il est congru à n0 modulo 12 fois 19. Donc petit b, donc on va faire, bien sûr, puisqu'on a l'équivalence, donc on va faire la double implication. Donc on va montrer cette implication. Donc supposons que n il est congru à n0 modulo 19 et que n il est congru à n0 modulo 12, et il faut démontrer bien sûr que n il est congru à n0 modulo 12 fois 19. Donc ceci implique quoi? Donc que 19 il divise n moins n0, d'autre part la deuxième implique que 12 divise n moins n0, or 19 et 12 sont premiers entre eux. Donc on a une propriété qui est très intéressante, donc que je vais rappeler bien sûr. Donc rappel ABC appartient à Z. Donc si A divise C, B divise C et A et B sont premiers entre eux, alors ceci implique bien sûr que AB, leur produit, donc AB divise C. Donc cette règle, elle est très importante en arithmétique. Donc il faut bien la mémoriser, bien sûr. Donc, d'après cette propriété, on déduit que 19 multiplié par 12, il divise n moins n0. Et si on l'écrit en utilisant la congruence, donc ceci entraîne bien sûr que n moins n0, il est congru à 0 modulo 19 fois 12. Autrement dit, donc n, il est congru à n0 modulo 19 fois 12. Donc voilà. On va montrer l'autre sens, l'implication réciproque. Donc, montrons cette implication. Supposons que qu'on a n, il est congru à n0 modulo 19 fois 12. Donc, ceci implique qu'il existe un certain cas dans Z, bien sûr, tel que n s'écrit n0 plus 19 fois 12k. Donc ceci implique que n est égal à n0 plus 19 fois 12k. Et en même temps, n, je peux l'écrire aussi n0 plus 12 fois 19k. Donc, posons 12k, par exemple, k1, qui est bien un entier relatif, et 19k, on le pose, par exemple, k2. Donc, puisqu'on a, oui, on a déjà, d'après k1, donc, posons, par exemple, k'1 pour éviter la confusion, puisqu'on a déjà utilisé dans la première partie, je pense, k1, donc k'2, qui appartient à z. Donc, ceci implique quoi? Donc, n, il est congru à n0 modulo 19. La première et la deuxième nous montrent que n, il est congru à n0 modulo 12. Pourquoi? Pour, d'après la définition, puisque n s'écrit n0 plus 19k1' et n est égal à n0 plus 12k2'. Donc voilà l'implication réciproque. Donc par conséquent, on a l'équivalence. Maintenant, on va passer à la troisième question, petit a.
trouver un couple IV solutionne de l'équation. Autrement dit, donc IV qu'on appelle bien sûr dans le cours les coefficients de Bezout. Et les coefficients de Bezout, on a bien sûr une méthode qui s'appelle l'algorithme d'Euclide ou bien s'appelle aussi la méthode des divisions successives. Donc on va donc déterminant U et V, les coefficients de besoin qu'on appelle entre parenthèses les coefficients de besoin. Bien sûr, en effectuant l'algorithme d'Euclide ou bien les divisions successives. Donc, on va diviser 19 par 12. Donc, 19, si on les divise par 12, c'est 1 fois 12. Le reste, plus 7. Je vais l'appeler 1. Puis, on va diviser 12 par 7. Donc, 12 est égal à 1 fois 7. Plus le reste, 5. Puis on va diviser 7 par 5, donc 7 est égal à 1 fois 5 plus 2. Puis on va diviser 5 par 2, donc 5 est égal à 2 fois 2 plus le reste plus 1. Une fois on trouve 1, donc on s'arrête. On va appeler cette égalité 2 et 3, 4, vous allez voir parce que ces égalités, bien sûr, vont nous permettre, bien sûr, d'en déduire les coefficients de Bezout U et V. Donc, la méthode, bien sûr, consiste dans chaque division d'exprimer le reste en fonction de 19 et 12. Je répète, donc, cette technique pour en déduire les coefficients de Bezout consiste à exprimer le reste de chaque division en fonction de A et B, bien sûr, qui sont 19 et 12. Donc, c'est ce qu'on va voir. Donc, dans la première division, donc, on a le reste, c'est 7. Donc, c'est égal à 19 moins 12, c'est égal à 7. Je vais encadrer. Maintenant, pour la deuxième division, donc le reste c'est 5, donc il faut exprimer 5 en fonction de 12 et 19. Donc, c'est égal à 12 moins 7. 12 moins 7 est égal à 5. Or, 7, il faut l'exprimer puisque chaque reste doit être exprimé uniquement en fonction de A et B qui sont bien sûr 19 et 12. Donc, 7. Il faut bien sûr la remplacer par la valeur précédente. Donc ceci est équivalent bien sûr. 12 moins, et je remplace 7 par sa valeur, 19 moins 12 est égal à 5. On effectue le calcul. Donc 12 plus 12, et attention, il ne faut pas effectuer le calcul. Il faut laisser les nombres sans bien sûr, exécuter les opérations. Donc, par exemple, 12 plus 12. Donc, je l'écris 2 fois 12. Et bien sûr, je le laisse tranquille. C'est-à-dire, il ne faut pas fixer l'opération 24. Moins 19. Donc, voilà. On a exprimé le reste dans la deuxième, bien sûr, division en fonction de 12 et 19. Dans la troisième division, le reste c'est 2, il faut l'exprimer lui aussi en fonction de 19 et 12. Donc 7, bien sûr, moins 5 est égal à 2. Or, on a 7 déjà exprimé, donc je le remplace. Et le 5, il est déjà exprimé en fonction de 12 et 19, je le remplace. Donc je remplace 7 par sa valeur, c'est 19 moins 12. Et je remplace 5 par sa valeur, 2 fois 12. Bien sûr, je remplace 5 par sa valeur, 2 fois 12 moins 19. Moins 19 est égal à 2 et on effectue le calcul sans exécuter les opérations.
Donc là, on a moins moins 19, c'est 19, plus 19, c'est 2 fois 19. Donc je ne calcule pas, c'est-à-dire je ne remplace pas par 38. Moins 2 fois 12, moins, donc c'est moins 3 fois 12, c'est égal à 2. Voilà. Il nous reste la dernière qui va bien sûr nous donner les valeurs des coefficients de Bézout. Donc la dernière, 4. On a 2 fois 2, donc 5 moins 2 fois 2 est égal à 1. Donc ceci est équivalent, je remplace 5 par sa valeur, donc c'est 2 fois 12 moins 19. Moins 2 fois, et le 2 je le remplace aussi par sa valeur. C'est 2 fois 19 moins 3 fois 12 est égal à 1. J'effectue bien sûr l'opération, c'est-à-dire je somme les 12. Donc 2 fois 12 plus 6 fois 12, donc c'est 8 fois 12. Les 19, il y a 2 fois 19, donc moins 4, et le moins 1, ça fait moins 5 fois 19, égal à 1. Donc voilà, donc je vais l'écrire correctement, donc c'est moins 5 fois 19, plus 8 fois 12, égal à 1. Donc le coefficient de Bézout, donc 19u, donc voilà notre u. Et plus 12v, le v est égal à 8. Je vous conseille de faire un petit, bien sûr, lorsque vous aurez une question semblable, donc n'hésitez pas à faire une justification, c'est-à-dire multiplier 19 par moins 5 et faire la somme avec 8 fois 12 pour s'assurer que la valeur est égale à 1. Donc voilà les coefficients de Bézout. Donc la conclusion, donc u est égal à moins 5 et v est égal à 8. Maintenant, on va petit b calculer la valeur de n correspondante. Donc d'après deuxièmement la deuxième question, on sait que n grand n est égal à 13 fois 12. V plus 6 fois 19U est une solution de S. Donc, on nous demande de calculer la valeur de N. Donc, si vous remplacez V par 8 et U par moins 5, donc vous trouvez 13 fois 12 fois V fois 8, bien sûr, donc moins 6 fois 19 fois 5. Donc un petit calcul, bien sûr, donc il va nous donner 678. 678. Donc voilà le résultat, donc grand N égale 678. Maintenant, on va passer à la question déterminer et c'est l'ensemble solution S. Petit c, on sait que le système S, bien sûr, une fois. Donc S il est équivalent bien sûr à N, il est congru, N est congru à 13 modulo 19 et N il est congru à 6 modulo 12. Donc on nous demande l'ensemble de solutions. Or d'après troisième petit a, si on a une solution particulière, alors la solution, l'ensemble de solutions du système S, c'est l'ensemble des entiers naturels qui sont congrus à N0, cette solution particulière, modulo 12 fois 19. Or, nous, on dispose d'une solution. Donc, on va prendre N0 qui est grand N trouvé,
On a trouvé la valeur de 678. Et solution est une solution. Donc, c'est une solution particulière. Est une solution de S. Donc, utilisons bien sûr la question petit b. Donc, d'après la question 3b, donc, grâce à 3 petit b, le système S, il est équivalent bien sûr à N, il est congru N0. Or, N0, c'est grand N qui est 678. Donc, modulo, bien sûr, 12 fois 19, 12 fois 19. Donc, il suffit de faire un petit calcul. Donc, ce qui est équivalent que N, il est congru à 678. Et 12 fois 19, bien sûr. Donc, on trouve 228. 228. Puisque 678, donc, il est supérieur, donc, en effectuant la division euclidienne, donc, on divise 678 par 228 et on trouve le. Donc, si vous voulez utiliser la calculatrice pour trouver le reste de la division de 678 par 228, voilà la méthode. Donc, vous divisez dans la première étape. Donc 678, vous allez la diviser par 228. 228, vous allez trouver 2 virgule quelque chose. Donc vous allez prendre la partie entière et passer à la deuxième étape pour en déduire en utilisant la calculatrice le reste. Donc vous allez faire cette opération 678 moins la partie entière que vous avez trouvée. La partie entière, c'est le nombre qui est avant la virgule. Donc, moins 2 fois 228. Et bien sûr, vous allez trouver le reste qui est 222. 222. Donc, nous trouvons bien sûr que n, il est congru à 222 modulo 228. Donc voilà l'ensemble de solutions. Si on veut l'écrire autrement, donc l'ensemble de solutions, c'est l'ensemble des entiers relatifs qui s'écrivent 222 plus 228k, tel que k varie dans z. Donc voilà l'ensemble solution de ce système. Il nous reste la dernière question, c'est une application bien sûr. Donc la quatrième question, on dispose d'un entier naturel n. Si on le divise par 12, le reste est 6. Donc ceci implique que n il est congru à 6 modulo 12. Et si on le divise par 19, le reste est 13. Donc, en utilisant la congruence, donc ceci est équivalent à n congru à, bien sûr, à 13 modulo 19. Or, ce système, bien sûr, c'est le système qu'on a au début. Donc, ceci, il est équivalent, bien sûr, donc, que n, d'après ce qui précède, il est congru à 222 modulo 228. Et on déduit facilement donc le reste. Donc le reste de la division de n par 228 par 228 et petit r ou bien r grand R est égal à 222. Donc voilà, on a terminé ce problème qui est très intéressant. Donc soyez au rendez-vous pour un autre problème, problème numéro 2. La tahrimouna min salih da'awatikum lana wa li walidina wa awladina wa li man 'allamana wa li jami' al-muslimin bi tawfiq inshaAllah. Nastawdi'ukum Allah alladhi la tadhi'u wa da'i'uhu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.